Bonjour à tous et à tous, c'est Forlan et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'Aria Clan. Et laissez-moi vous dire que ça me fait hyper plaisir de vous retrouver, car vous avez été nombreux à redemander un deuxième épisode des 5 meilleures ouvertures et c'est pour cela que je vous le fais aujourd'hui. Mais avant de vous parler de ces 5 ouvertures de malade, laissez-moi vous présenter le gameplay qui est une belle nucléaire à la Manowar de la part d'Aguila. Donc il était sur Evac et puis il s'est pas posé de problème, tu vois, il a tout fait ça correctement. Donc si on pourrait avoir 300 likes pour lui et pour moi, ça nous ferait hyper plaisir. Et on est donc parti avec le premier chanceux et laissez-moi vous dire que le niveau est très élevé, un niveau de chance je parle bien sûr. Et donc Bousquet Gaming va nous ouvrir un colis rare pour commencer et il va nous choper le broyeur de crâne plus la malice. Donc deux armes de corps à corps vraiment bien. C'est bien pour commencer ce top 5. Ensuite, on passe à un similaire un petit peu avec le premier. Donc cette fois-ci, il a encore eu deux armes dans un colis rare, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Mais il a eu le gros couteau et l'appel du devoir. Et je l'ai classé quatrième car l'appel du devoir, tu vois, c'est l'une de mes armes préférées de corps à corps. Je la trouve vraiment classe. Donc vraiment, bien joué à toi, Yama Street. Tu mérites ta quatrième place. Troisième place avec un colis qui a été ouvert par Artekill. Et là, cette fois-ci, vraiment, il a eu extrêmement chance car il était en live. Il a même fait la vidéo. Donc bien entendu, je pourrais pas vous la mettre, mais j'ai pris un screen. Donc ce qu'il a fait, en fait, si vous voulez, il a ouvert sa caisse à 30. Il a reçu la Ciboulot, voilà, la Ciboulot qui était sortie antérieurement. Et puis, comme c'était en juillet, tu vois, qu'il avait ouvert ses caisses. Bah il a eu l'exécuteur aussi qui était l'une des nouvelles armes. En tout cas vraiment bien joué à toi pour cette chance. Seconde place, alors là ça commence à envoyer du lourd avec Alpha Glitcher. Et Alpha Glitcher, tu vois, il aime bien ouvrir des caisses à 10 parce qu'il a la flemme d'économiser. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'ouvrir. Donc il va voir en premier temps la malice, donc il va être tout content, tu vois, quand même dans une caisse à 10, même si c'est pas la nouvelle arme. Et ensuite il va recevoir le DBSR50. Et oui, le DBSR50 qui était une nouvelle arme du mois de juillet. Donc vraiment félicitations, c'est vraiment un très beau colis. Et pour terminer, voici le roi du moment, voilà, le roi des colis à 10, j'ai appelé comme ça, c'est Lucas. Et Lucas, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va ouvrir sa caisse à 10, comme je le disais, et il va choper l'appel du devoir qui était une nouvelle arme. Donc voilà, à l'époque, on va dire où il a ouvert sa caisse. Et puis aussi, il va avoir la R70 Ajax, qui est pour moi la meilleure des batteuses, hein, voilà. Bon, après, j'y joue pas non plus, mais en tout cas, je trouve que c'est la meilleure. En tout cas, une superbe ouverture, tu peux être fier de toi. Donc voilà les amis, ainsi s'achève ce deuxième épisode des 5 meilleures ouvertures de Black Ops 3. Et si vous aussi vous en avez, n'hésitez vraiment pas à les envoyer sur le Twitter de la Aria Clan, de nous identifier, etc. Comme ça vous pourrez participer à la vidéo et je vous nommerai et vous féliciterai, voilà, tu vois, si vous voulez un peu d'honneur quand même. Non, sérieusement, je rigole, mais en tout cas, merci à vous si vous m'envoyez. N'hésitez vraiment pas à liker la vidéo pour le soutien, ça fait plaisir. Allez, voilà, c'était Forlan et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde!